بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، والشرار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة أخوات، on se retrouve ce soir والحمد لله pour un nouveau cours de Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid au chapitre 47. نعم. Et avant de commencer le cours, ou bien je vais le faire après, wallahu a'lam. C'est une question en fait qu'on m'a posée en privé, un frère qui n'est d'ailleurs pas présent dans la room ce soir, peut-être qu'il va arriver par la suite, Allahu a'lam. C'est le frère Lévi, qui est souvent là, qui m'a posé une question, et ça a trait au tawhid. Est-ce que j'en parle avant le cours? Est-ce que peut-être il va venir dans le cours? Du coup, est-ce que j'en traite durant les questions-réponses? Allahu a'lam. Sa question c'était concernant l'attachement aux causes, est-ce que c'est shirk? Et je voulais dire que ça peut être plusieurs types de shirk, et voilà le frère qui est arrivé. Voilà le frère qui vient de se connecter. Je crois que je vais le faire maintenant, au cas où j'oublie pendant les questions-réponses. Donc mon frère Lévi, tu viens de te connecter, assalamu alaikum. Je voulais donc traiter ta question. Tu m'as posé ça en privé aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais en parler dans le cours. En plus, ça a tout à voir avec le cours du soir, c'est du tawhid. Donc l'attachement aux causes. Alors le fait quand on s'en remet aux causes, on espère des causes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut mener jusqu'au shirk? Je lui dis oui, et ça peut être même différents types de shirk. Faire les causes, et sans détacher, en sachant très bien Naam qu'elles ne peuvent rien faire. Juste, on doit les faire. Elles sont des causes, et Allah nous demande de faire les causes. Donc forcément, on est dans les causes. Ça, il n'y a personne qui dira qu'il ne faut pas faire les causes, si ce n'est les égarés de la sunna. Ceux qui se sont égarés de la sunna, là oui, ils vont dire on ne fait aucune cause, et tout vient d'Allah. Oui, certes. Mais on ne reste pas comme ça chez soi, ni pour chercher une subsistance, de l'argent ou du blé ou des raisins, enfin, ni pour trouver un époux, une épouse, ni pour s'habiller, ni pour rien du tout. Il faut faire la cause. Naam. Et faire la cause, on se débrouille seul, ou on peut demander à quelqu'un, naam, quelque chose. Il n'y a pas de mal à cela. Les causes, on doit les faire. Quiconque dit qu'il ne faut pas les faire et s'en remettre que à Allah, sans faire les causes, c'est un égaré. Hein, c'est un égaré. D'accord. Quant à celui aussi qui s'attache aux causes et dit que on se détourne d'Allah, c'est un autre type d'égaré. D'accord. Le juste milieu, c'est de faire les causes sans s'y attacher et en plaçant toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'attachement aux causes. Je l'avais dit dans un cours et je l'avais coupé, je crois. Je crois que je l'avais coupé. Et l'audio, Lévi, il s'appelle « L'attachement aux causes contredit le tawhid ». Donc je t'invite à taper ça dans la barre de recherche aussi de YouTube si tu veux entendre à ce sujet plus ample information. Je vais regarder tout de suite combien de temps j'ai pu en parler. L'attachement aux causes. Tawhid. On va voir. Je sais que j'ai fait un audio. Naam. 31 minutes. Naam. 31 minutes. L'attachement aux causes contredit le tawhid. Quand tu tapes attachement aux causes tawhid sur YouTube, c'est la première vidéo, c'est un fond jaune et une écriture noire.
et c'est ma chaîne YouTube, tu reconnaîtras Inch'Allah facilement. Voilà. Donc j'en ai parlé pendant une demi-heure, je crois que c'était à l'intérieur d'un cours. Donc ça c'est un. Si tu veux des informations, reviens à cela. Maintenant, brièvement, pour dire et pour en parler, la voie juste, on l'a vu, c'est de faire les causes sans s'y attacher, sans rien espérer d'elle. Quant à la personne qui va espérer en les causes en pensant qu'elles ont une influence avec Allah Azzawajal, c'est un petit peu, naam, comme les histoires de protection. Prendre un gris-gris, naam, en pensant que cette chose-là protège avec aussi l'aide d'Allah. Et c'est la même chose. Ben, c'est la même chose, c'est un shirk mineur. La cause n'est qu'une cause, elle ne fait rien. Que ce soit cette cause-là ou une autre, elle ne fait absolument rien. Tu ne dois pas espérer en la cause, tu ne dois pas placer ta confiance en la cause, tu ne dois pas. D'accord ? Ça, c'est très, 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 très important. Tu dois t'en détacher. Hein ? Sous peine et de peur de tomber dans un shirk asra. Hein ? C'est-à-dire donner trop d'importance à une personne, naam. C'est lui qui me donne, et tu sais très bien, tu es quand même croyant, donc tu sais très bien que c'est via Naam, c'est avec la permission d'Allah, etc. Mais tu penses que cette personne-là, elle-même, Naam, ou cette chose-là, elle a un impact. Alors que non, absolument pas. Naam. Cette personne ou cette chose-là, tu dois t'en détourner dans ton cœur, tu ne dois pas t'y attacher. Pour au contraire faire plus de doa, et t'en mettre pleinement Allah Azzawajal. Mais ça peut venir via l'intermédiaire d'une cause, effectivement. Par exemple, un patron qui te donnerait ton salaire, c'est évident. Et sache que c'est pas le patron qui te donne ton salaire. C'est Allah qui te donne ta subsistance par l'intermédiaire du patron. Et ça aurait pu être un autre patron. C'est pour ça qu'on voit les gens complètement sidérés lorsqu'ils sont licenciés. Certains se suicident, certains tombent dans l'alcool, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est Allah qui donne la subsistance. Elle ne viendra plus par ce biais-là, mais elle viendra par un autre biais. Voilà, ce sera plus Monsieur X, tel patron qui te donnera ton argent, mais quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc attention à l'attachement de cette manière-là, même en pensant que ça vient d'Allah Azzawajal, on rentre dans une forme de shirk très, très caché, insoupçonné. Et puis le shirk plus clair, et je pense que ça, Lévi, tu l'aurais compris tout seul, bah, c'est quand tu penses, Naam, que la personne te donne d'elle-même, que c'est ce patron-là qui te donne la subsistance en dehors d'Allah Azzawajal. Donc tu lui as donné une part de Rububiyya. Bon, ça c'est clair, c'est un chèque majeur, il n'y a pas de doute, c'est la personne qui dirait, c'est mon patron qui me donne ma subsistance, Allah n'y est pour rien, etc. Là, effectivement, c'est un chèque clair. Mais je pense que ce qui t'intéressait, toi, c'est cette peur de tomber dans un chèque mineur lorsque tu mets trop d'espoir en une cause, trop d'attachement, et non, la cause ne fait rien, absolument rien. Hein. C'est comme le médicament. Le médicament, il n'agit pas. C'est bi'idhnillah, Allah qui guérit. Et le médicament, c'est la cause. Et c'est pour ça aussi, on dit, pour les enfants, apprendre le tawhid dès le plus jeune âge, c'est par des petites choses du quotidien comme ça. Tu vas lui donner son petit comprimé s'il a mal au ventre, par exemple. Allah a'lam, je sais pas moi, hein. Je sais pas à quel âge ça peut se prendre, mais espace fond ou effet ralgant ou quelque chose comme ça. Tu peux être amené à lui donner quelque chose. Il a mal, il se plaint, etc. Mais tu lui dis, invoque Allah Azzawajal. Avant tout d'abord, invoque Allah pour qu'il te guérisse. Puis ensuite, tu dis Bismillah. Puis ensuite, tu le prends, Inch'Allah. Et c'est, si Allah le veut, que le médicament va faire effet. Donc, tu lui enseignes des petites briefs de tawhid de cette manière-là. Ça, c'est très important. Plutôt que de donner machinalement le médicament, l'enfant, lui, va penser que c'est le médicament qui le guérit. Vous avez compris? Donc, ça, c'est important. Et c'est les types de shirk. Vraiment, on peut tous et toutes y tomber très fréquemment. Voilà. Que ce soit une histoire de mariage, de quête de subsistance ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'en remettre à Allah. Et on fait les causes. Mais en fait, sans l'attachement du cœur. C'est là toute la difficulté. On ne s'y attache pas. On n'espère rien. Tout comme quand on dit à des gens autour de nous, je cherche à me marier. Ok, c'est dit. C'est bon, les gens sont au courant. Alhamdoulilah, la cause, elle est faite. Maintenant, c'est toi qui fais les doigts et toi, tu continues ton cheminement pour essayer de chercher à te marier. Mais c'est pas tu attends après les gens, tu espères d'eux, tu angoisses. Est-ce que je vais réussir à me marier parce que je me suis un petit peu disputé avec ce frère-là. Or, c'est à lui que je lui en avais parlé ou il connaît quelqu'un à qui j'en avais parlé. Et tu commences à paniquer. Si tu commences à paniquer dans une telle situation, en fait, c'est que tu penses que ton qadar, ton zawaj, vient à l'intermédiaire des gens. Et là, ça devient grave. Là, ça devient grave. Tu leur donnes trop d'importance. Si tu dois te marier à telle date, tu vas te marier à telle date. D'accord, pas d'accord, les gens. Et rappelez-vous toujours du hadith. Si toute la création, c'est-à-dire djinn ou l'ins, homme et djinn, djinn et homme, depuis le début de la création, ils se réunissaient tous pour te faire un bien,
Ils pourraient le faire, oui, dans la mesure où Allah l'a voulu et décrété. Et pareil, s'ils se réunissent pour te faire un mal, c'est bi-idhnillah. Et ça, c'est des choses à méditer longuement, longuement, longuement. Personne ne peut te faire un bien ou te faire un mal, si ce n'est qu'Allah l'a décrété. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler, que ce soit des questions d'argent ou des questions de, voilà, de gains quelconques. Les causes ne sont que des causes et elles doivent rester à leur place de cause. Voilà, Inch'Allah, que la réponse soit suffisante et claire. Allahu a'lam. Allah nous raffermit sur At-Tawhid. Donc, on va voir le chapitre, Inch'Allah. Le chapitre de ce soir, le 47, il concerne celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle Allah, le Coran ou le prophète sont mentionnés. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est malheureusement très courant de nos jours. On va pas parler des koufars, parce que eux, c'est un sport pour eux. Mais eux, c'est normal, ce sont des koufars. Quand je dis c'est normal, je minimise pas la gravité de leurs paroles, de leurs actions. Mais c'est normal dans le sens où c'est leur passe-temps. Combattre l'islam, pour certains d'entre eux en tout cas. Je parle, ce qui est étonnant, des gens qui se disent musulmans. Des gens qui se disent musulmans, en fait c'est des koufars. On va le voir ici. Leurs cas sont clairs, ce sont des koufars. Même si ils plaisantent, ce sont des hypocrites. Il n'y a aucun croyant sincère qui va se moquer de Allah, du Coran ou de la Sunna. Impossible. Aucun. J'ai fait un audio à ce sujet qui date maintenant au moins plus d'un an. Le statut de celui qui se moque de la religion. De même, vous pouvez taper ça sur YouTube. Le statut de celui qui se moque de la religion. C'est grave. C'est très 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 grave. De nous répète sur les réseaux sociaux pour amuser la galerie, pour obtenir des likes, des abonnés, des follow ou je ne sais quelle bêtise moderne, là. Il y en a, ils vendraient leur mère, comme on dit. Ils vendraient leur âme aussi. Leur principe, leur religion. Il faut faire rire. Donc on fait des blagues sur la religion. Donc on fait des blagues sur la religion et on rigole. Non. Azogel, il le dit, dans le sens, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. C'est pas, non, c'était pour plaisanter, on ne faisait que bavarder, non. Non, parce que cette chose-là, tu ne le ferais pas sur ta mère. Tu insulterais ta mère devant les autres, pour rire, certains le font. Certains clowns le font. Je vais le citer parce qu'il fait en public, Jamel Debbouze, une catastrophe celui-là. En plus d'avoir apostasié clairement, parce que je crois qu'il le dit, il s'en vante même, en plus d'avoir apostasié clairement, craché sur l'islam, faire des amalgames, etc., il se moque de sa mère, à ce qui paraît, je regarde pas ses spectacles, mais à ce qui paraît, il était, entre guillemets, drôle, même si ce qu'il faisait restait tendancieux, mais il avait un certain humour et il pouvait être sympathique il y a peut-être 15 ou 20 ans, mais ça fait bien longtemps qu'il n'est plus drôle celui-là. Il se moque de sa mère devant les gens pour amuser la galerie, devant des milliers, voire des millions de personnes. Bon, lui, c'est un cas. Mais la majorité des gens qui blasphèment sans s'en rendre compte, soi-disant, qui tournent en dérision Allah, le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, les croyants, les croyantes, etc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils feraient cela sur leur maman et qu'ils humilieraient leur mère comme ça au cours d'une discussion? Non, ce serait très grave. Parle pas sur ma mère, on peut pas humilier ma mère, c'est grave ce que tu fais. Par contre, le dîn, oui, ils se permettent. Donc c'est dénote bien une hypocrisie. Parce que la mère prend plus de place dans le cœur que la religion. Alors c'est l'inverse. Si on insulte ta mère, certes, ça te fait mal. Si on se moque de ta mère, certes, ça te fait mal. Mais normalement, quand tu es croyant, si on se moque de ta religion, ou si on critique ta religion, etc., etc., on parle sur ta religion en mal, ça doit te faire plus mal que si c'était sur tes parents. Ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, entre ceux qui blasphèment et qui rient et qui bavardent là-dessus, et ceux qui écoutent, qui restent, demain, il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. C'est un fléau. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Ne prenez vraiment pas ça à la légère. Vous ne pouvez pas rester en présence de gens qui se moquent. Qui se moquent. Qui blasphème, qui critique, vous devez soit les reprendre, et on l'a vu dans condamner le blâmable, etc., etc. Si vous n'avez pas la capacité, vous partez. Mais vous vous désavouez, vous ne pouvez pas rester. D'accord? Voire valider, voire rire. Non. On ne tombe pas en dérision d'Inna l'Islam. D'accord? Et faites attention à ce qui sort de votre langue, même pour rire. Même pour rire. Parce que tourner en dérision, c'est fait pour faire rire. Enfin, on va dire, ils vont dire ces gens-là plutôt. Mais non, moi je ne critique pas pour eux. Non,
pour humilier, car moi-même je suis musulman, moi-même je prie, moi-même je jeûne. C'est ça qui est le plus aberrant. Ce sont des gens qui, soi-disant, ils pratiquent. Ils vont dire, moi je suis pas Naam, je suis pas Charlie Hebdo, moi je fais pas ça pour faire du mal, je fais pas ça pour blasphémer, et Allah connaît mon intention, et bla et bla et bla. Il peut se trouver plein de belles excuses. Le fait est qu'ils tournent en dérision la religion. Et il y en a plein, les façons de faire chez ces gens-là, il y en a plein. Et un coup ils se moquent du voile, un coup ils se moquent de tout. Ils se moquent de tout. Soit c'est pas le Sarouel, ou si c'est... Et ils trouvent toujours quelque chose à se moquer. J'ai oublié toutes leurs moqueries. Alhamdoulilah, Allah m'a fait oublier cela. Mais combien de fois, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est via Internet aussi qu'on voit beaucoup de choses, étant donné qu'alhamdoulilah, dans la vraie vie, je ne fréquente pas ces gens-là. Mais si c'était le cas, je pense que j'en entendrais aussi des très moches, des très très laides. Mais il y a toujours, je vous dis, la bonne excuse. Je ne voulais pas faire de mal, ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour ce n'est pas pour manquer de respect à quoi que ce soit. Non, non, c'est juste pour rien. Gagner quelques abonnés, amuser la galerie lors d'un repas. Non, non, ça ne passe pas. Donc on va voir le cas de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle Allah, le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés, que ce soit par haine. Bon, alors c'est clairement du kufr. Là, c'est par haine, c'est clair et net. Si c'est une moquerie par dégoût de ça, hein, critiquer le voile d'une croyante, non, parce qu'on déteste ça, on déteste la sunna. Cette personne-là, elle est kafir. Voilà. Elle peut crier sur tous les toits qu'elle est musulmane, c'est une mécréante, cette personne-là. D'accord ? Même si elle se moquait du siwok, même si elle critiquait le siwok. Moi, je n'aime pas le siwok, c'est quoi ça ? On a des brossades aujourd'hui, c'est quoi cette bêtise ? Et là, tu lui dis, tu lui enseignes. Tu lui dis, crains Allah, c'est une sunna. Peu, quelle sunna ? C'est un mécréant. Même s'il prie toute la nuit, wallah, c'est un mécréant. Juste le siwok. Que dire du voile, de la barbe, d'aller à la mosquée. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans et critiquent tout ça. Sans vergogne. Sans aucune honte. Ces gens-là, ce sont des koufars. Et Allah jugera. Ce sont des hypocrites. Maintenant, voilà, donc ça c'est avec la haine. Maintenant, parfois, il y a la moquerie, il y a la bonne blague. Hein? Ce n'est pas méchant. Et bien, on va voir si ce n'est pas méchant. Allah Ta'ala a dit dans Surat At-Tawba, au verset 65, dans le sens « Et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Je répète, hein, ça c'est pour qualifier qui ? Les hypocrites, ceux qui se moquent. Allah Ta'ala dit sur leur sujet, sur leur compte. Et si tu les interrogeais, ils te diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. C'est ce que disent les gens aujourd'hui. Et c'est pour rire. C'est rien. Comme ceux qui posent parfois des sortes de tests, des sortes de jeux. J'avais déjà vu ça sur les réseaux. Et la page de celui qui avait posté ça, c'était Qur'an wa Sunna. Allah le musta'an. Qur'an wa Sunna. Et son jeu, c'était à base des histoires d'horoscope. Si tu relis tel truc à tel truc, ton prénom avec ça, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela, il t'attend ceci dans le futur, etc. etc. Je lui dis, ça c'est shirk, ya akhi. Oui, mais c'est pour rire. Subhanallah. C'est pour rire. Donc on rit avec la religion. Subhanallah. C'est pour rire. Donc des hommes, ils vont se déguiser avec des niqab ou des sitar, mais c'est pour rire. Subhanallah. Subhanallah, c'est pour rire. Eh bien, si on interroge ces gens-là, ils disent tous, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. On bavarde, on rigole, laisse-nous tranquille. La religion, ce n'est pas pour prendre à la gorge et freiner comme ça. C'est large. Faux. Il y a des règles dans le dîn. Il y a du respect à avoir. Et tu ne ferais pas ça sur ta mère, je répète. Pourquoi tu te permets de faire ça sur la religion du Seigneur des mondes ? Hein ? Une fois, il y en avait un comme ça, c'était aussi sur Internet, j'avais vu, l'Olmstein, ça blasphémait à tour de bras, c'était vraiment des blasphèmes et des blasphèmes. Et il y en a un qui avait mis un commentaire, c'est bon, on peut rigoler, la religion, ce n'est pas la dureté. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il avait complètement blasphémé, en plus il avait insulté Allah Azzawajal, non mais vraiment, vraiment. Oui. Je suis désolé de le dire, je n'ai même pas employé le nom d'Allah là-dedans, dans cette phrase-là, parce que c'est grave, et j'ai oublié de vous citer ça, pour vous dire vraiment, parfois, la bêtise des gens. C'est assez choquant. Donc, il avait dit Dieu, n'en a rien à F-O-U-T-R-E. Ah, vraiment. Quand il parle d'Allah Azzawajal, il dit ça. Il n'en a rien à F-O-U-T-R-E. De ça, donc de cette blague, de ce blasphème. Et encore heureux, sinon j'aurais changé de religion. Si l'islam interdisait cela. Subhanallah.
Qu'est-ce qui reste comme foi dans un cœur pareil? Dites-moi. Dites-moi. Employer de la vulgarité pour qualifier Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On fait tous des péchés, on peut peut-être parfois se montrer, quand Allah nous réforme, vulgaire sur les bords. Mais pas en parlant d'Allah. En s'énervant sur quelqu'un, en ayant un excès de... Ok, quand je dis ok, c'est pas que c'est tolérable, mais je comprends, on est tous faibles. Mais dire que Allah n'en a rien à F-O-U-T-R-E, j'étais choqué. Il aurait été en face de moi, je crois que je lui aurais cassé les dents. Vraiment, par jalousie, par haine pour ce qu'il a dit, je crois que j'aurais frappé. Vraiment, mais réellement, je vous le dis, c'est pas des... Il y a de la chance qu'il était sur internet. Comment tu peux parler d'Allah comme ça? Subhanallah. Et donc, c'était des blasphèmes en série. Et il dit en gros, hein, donc, Dieu s'en fiche pas mal. J'ai resté... Subhanallah, ça me bouleverse encore, rien d'en reparler. Hein, Dieu s'en fiche pas mal de tous ces blasphèmes, toutes ces rigolades. Hein, il est au-dessus de ça, c'est rien, on peut rire. Et heureusement que c'est pas interdit en islam. Déjà, il sort ça d'où? Le grand chir d'Instagram ou je ne sais d'où. Hein, il nous dit que c'est permis. Très bien, on apprend quelque chose. Heureusement que c'est permis, sinon j'aurais changé de religion si c'était pas permis. Il n'a pas besoin de changer de religion, il est déjà pas musulman. Qu'il le sache. Il n'a pas besoin de changer. Hein, il est déjà sorti de l'islam par cela. Non. Donc, le verset, rappelez-vous, hein, si tu les interroges, ils disent vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. On va passer au hadith. Le matn, il est composé de ce verset et puis le hadith. Ibn Umar, Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam et Qatada rapportent dans un hadith composé de leurs propos respectifs que lors de la bataille de Tabuk, un homme déclara « Jamais nous n'avons vu d'individu plus vorace, plus menteur et plus lâche lors d'un assaut que ses lecteurs. » Désignant par « lecteur » le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui étaient assidus dans la lecture du Coran. D'accord ? Donc ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons que c'était des gens voraces, menteurs et lâches. Naam. Allahumma sta'in. Auf ibn Malik dit alors à cet homme, tu mens, d'ailleurs tu n'es qu'un hypocrite. Et je m'en vais de ce pas informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tes propos. Auf alla donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer. Pour l'en informer de cette chose-là. Mais la révélation divine l'avait précédé. C'est-à-dire qu'Allah avait révélé un verset à ce sujet. Naam. Allah qui sait tout, tout et avant tout le monde. L'homme qui avait tenu des propos malveillants vint alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci quittait les lieux sur sa chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en avait que faire aussi de ces propos-là. Il était bien sûr sallallahu alayhi wa sallam bien au-dessus de ça et il en entendait des choses et des choses et des choses et il était des créatures le plus patient. Le plus patient, le plus miséricordieux. Allah, il ne se mettait pas en colère à tout bout de champ. Non, c'était vraiment pour de bonnes raisons et s'il y avait une sagesse, s'il y avait un intérêt. Et pourtant, il en a entendu des choses et on lui en a fait des choses. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme, il s'expliqua. Il courut après le messager d'Allah, alayhi wa sallam, il s'expliqua. Il a dit, Ya Rasulullah, nous ne faisions que bavarder et discuter, comme discutent les voyageurs, afin d'atténuer la fatigue du voyage. Donc c'est pour rire. Hein? Comme aujourd'hui, se moquer du voile, mais c'est pour rire. Il dirait ça. Hein? Parfois, il y a des soupçons de haine, parfois, il y a du sarcasme, parfois, il y a du mépris. Parfois, c'est de la pure rigolade. Mais ils tournent en dérision. Et ils critiquent. Et ils abaissent d'île. La barbe. Là, le sarouel, la prière à la mosquée. Que sais-je. Le voile. La non-mixité. Tout ça. Ils le prennent en dérision d'une manière globale. Après, à savoir, c'est quoi exactement leur sentiment. C'est de la haine. C'est du mépris. C'est... Wallahu a'lam. Mais, s'ils étaient interrogés par un juge musulman, notamment un savant, hein, ou un imam, ils diraient certainement... Non, on discutait. C'est pour rire. Ce n'est pas... Hein? C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Ibn Omar dit, je le vois encore s'agripper à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, la chamelle avançait, il s'accrochait comme ça, trébuchant sur les cailloux, jonchant le chemin en le suppliant. Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Donc ça veut dire qu'il a pris conscience de son erreur. Un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un de science, parce que nous, quand on, nous petits que nous sommes, quand on fait le rappel à ces gens-là, ils nous prennent de haut et ils nous envoient balader. Mais tu te prends pour qui? Mais hein? C'est rien, je rigole. Mais si c'était par exemple un imam,
hein, ou quelqu'un de science, un sage de la famille, qui leur faisait le rappel, peut-être qu'ils s'excuseraient de cette manière-là. Ah non, vraiment, je rigolais. Si c'était un père qui entend son fils blasphémer de cette manière-là et se moquer, etc., peut-être qu'il lui mettrait une gifle, peut-être qu'il le traînerait au sol, et il aurait raison. Il va dire, non, Abby, je faisais que rigoler, ce n'était pas vrai. Non, comme cet homme qui a reconnu son erreur. Il l'a reconnu ou pas? Il l'a reconnu. Il s'est carrément accroché à la bride de la chamelle, subhanallah, et il trébuchait sur les cailloux. Donc vraiment, il n'a pas juste dit, Rasulallah, c'était pour rire. Hein. Après, il s'est en allé. Non, il a reconnu son erreur, il a voulu se rattraper. Vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu? Il a cité le verset, hein, la suite du verset dans Surat At-Tawbah, verset 65. Est-ce d'Allah, de ces versets, donc du Coran et de son messager, que vous moquez? Ne vous excusez pas? Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Sans même daigner, dit Ibn Omar, sans même daigner se tourner vers lui, ni rien ajouter à ses propos. Il a juste cité un verset. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Hein? L'homme, il vient, plein de remords, excuse-moi. Non! Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que tu te moques? T'excuse pas. Ne t'excuse même pas. Tu as mécru après avoir eu la foi. Sans même le regarder. Tout en continuant son chemin, sallallahu alayhi wa sallam. Que dire aujourd'hui de ces gens? Je vous dis, on leur fait le rappel, ils continuent. On leur dit, c'est grave, c'est kufr. Continue. Eh ben, laisse-les. Laisse-les se moquer de la religion d'Allah, du Coran, la sunna, de tous les attributs qui caractérisent les musulmans. Laisse-les. Ce sont des koufars. Tous ceux qui font ça, ce sont des koufars. Laisse-les. Ce sont des hypocrites. D'accord? Il n'y a pas de doute à leur sujet. Maintenant, cas général, cas particulier, ne rentrons même pas là-dedans. Allah jugera. Allah jugera. Mais je le dis ici en craignant Allah. Je ne connais aucun croyant, même s'il a une foi faible. Wallah, j'en connais des gens qui ont la foi faible et qui ont moult péché. Mais ils ne se permettent pas ça. Je connais quelqu'un qui est, yani, on va dire, je vais rester vague, mais c'est un proche, c'est de la famille. Non. Il fume, il boit, il fornique. Je le désignerai pas, bien sûr. Pas, hein, femme. Il fume, il boit, il fornique, il prie pas. Non, il jeûne même pas. Et wallah, je me permettrai pas de faire son takfir. Parce qu'il respecte din. Quand je dis respecte, c'est même pas pour sa propre personne. Mais jamais il irait dire du mal d'un voile, d'une barbe, d'un kamis. Jamais. Jamais. C'est quelqu'un qui est très égaré qu'Allah le guide. Mais il a cette retenue sur. C'est l'islam, c'est subhanallah. Et pour ça qu'Allah lui fasse miséricorde. Juste pour ça, je demande qu'Allah lui fasse miséricorde. Ne serait-ce que cela. Parce que je ne l'ai jamais entendu dénigrer une chose du dit. Et une conversation qu'il a eue avec lui, c'est, je sais que toutes ces choses sont haram, je sais que je suis un égaré, mais c'est comme si que j'avais, il dit, c'est comme si que je possédais ou j'ai quelque chose, ça va pas. Et il se détruit pour soi-disant aller mieux, mais ça n'ira pas. Donc on demande, naam, qu'Allah fasse miséricorde à ce frère et qu'Allah le guide. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Non, qu'Allah le guide, qu'Allah le guide et qu'Allah le guide. Mais je n'ai jamais entendu dénigrer Din. Sinon, je peux vous dire qu'il y aurait une autre anecdote, c'est que je me serais bagarré avec lui. Vous me connaissez. Je ne laisse pas passer certaines choses, surtout quand c'est face à moi. Mais il ne se permet pas ça. Et il y en a des gens comme ça. Wallahi, ils ne pratiquent rien. Des femmes, mini-jus, boîte de nuit, pareil, cigarettes, voire hashish. La chicha, la fornication, des choses horribles. Des musulmanes dites de base. Mais jamais l'ont dénigré une seule fois le dit. Au contraire, elle dit, ces sœurs qui sont voilées, je les admire. Jamais une parole aussi pour se moquer. Elles savent qu'elles ne sont pas dans le dîn, mais elles ne vont pas parler alors. Elles ne vont pas commencer à faire des blagues. Elles vont faire des blagues sur tout un tas de choses de dunya. Ces gens-là, quand même, je vous le dis, ces gens-là, elles sont meilleures. Pourtant, Allah, ils sont très 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 proches du kouf. Mais je ne me permettrai pas de faire leur takfir. Et je ne dirais pas que ce sont des koufars. Car il y a, vous savez, les règles de la reconnaissance des péchés et puis des choses obligatoires. Notamment la personne là, de la famille. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que le jeûne est obligatoire avec la prière aussi? Il a dit oui, bien sûr. Et moi, je suis un égaré. Je suis un pervers. J'y arrive pas. Donc il y a la reconnaissance de l'obligation ou de l'interdit. Mais c'est un péché lié à la passion. Selon certains savants, cette personne-là reste musulmane très, très, très égarée, très faible de foi, mais elle reste musulmane pour cela. Et puis elle n'a pas souillé de dîn, critiqué de dîn, moqué de dîn. Et les femmes, pareil. Il reste presque rien de l'islam en elles. Mais il y a cette retenue, encore une fois. On ne va pas parler d'islam,
puisqu'on est très mal placé pour en parler, on ne va pas le moquer et on ne va pas le critiquer. Mais, à contrario, il y a des gens, c'est pour ça qu'on dit, bien sûr, il y a cas général, cas particulier, mais de manière globale, ce sont des koufars qui se permettent des choses. Pourtant, ils pratiquent certaines choses. Donc, à vos yeux, quand on les voit passer devant nous, ils sont moins égarés que celui que j'ai cité tout à l'heure. Il boit, il fume, il jeûne pas, il prie pas, il fait des bagarres, naam, il a des armes. J'ai dit, subhanallah, celui-là, bah celui-là, il est meilleur, inchallah, azzawajal. Et je le dis en craignant Allah. Wallahi. Et je dis juste pour ça qu'Allah lui fasse miséricorde. Juste pour ce respect qu'il a envers les croyants. Combien de fois on a vu, même pareil, dans des quartiers, des bâtiments, ces gens, ces jeunes, qu'Allah les guide aussi, qui ont ce respect. Et ils baissent les yeux. Pas tous, hein. Pas tous, certains. Quand ils voient une personne barbue arriver avec le qamis, avec les enfants, avec la femme, avec les courses, peut-être même ils aident à monter les courses. Et peut-être même ils baissent les yeux. Parce qu'ils savent qu'ils sont avec le hashish, qu'ils sont en train de vendre la drogue. Peut-être qu'ils ont des armes dans le caleçon, etc. Ils sont dans le mal. Mais ça leur fait un rappel. Et ils baissent les yeux. Ils se rappellent qui ils sont. Ils disent, subhanallah, on est loin. Vous comprenez ? Ces jeunes-là, encore une fois, je dis qu'Allah les guide et qu'Allah leur fasse miséricorde, juste pour ça. Par contre, je n'ai aucune once de pitié, tout comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus miséricordieux des créatures, des hommes, et la plus miséricordieuse, pardon, des créatures. Qui était plus miséricordieux que lui ? Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas daigné regarder cet homme-là. Parce que ça, c'est des hypocrites. Hein ? Ils jouent les musulmans, mais dès qu'ils peuvent se moquer, critiquer, hein, et cracher sur l'islam, ils le font. Où est la foi ? Il n'y a aucun croyant, je le dis, digne de ce nom, qu'il soit très pratiquant, très ancré dans sa pratique, un peu moins ou pas du tout, qui peut se permettre de se moquer de n'importe quelle chose de dingue, de n'importe quelle chose. Il n'y en a aucun. Moi, je ne connais pas. Même des très égarés. Ça me choque. Et ce sont des gens, peut-être même, je vous dis, ils ont une barbe. Certains, il y en a, ils vont faire le jeûne. Ils vont être connus dans une mosquée. Ou pas. Ou alors, ils vont avoir délaissé beaucoup de choses du dîme, mais attention, hein, c'est des musulmans. C'est des musulmans, soi-disant. Ce sont des gens, il ne faut pas leur enlever ça. Hein. Dans l'islam, ils l'ont gagné, je ne sais pas. Mais ils se permettent énormément de moqueries, énormément de critiques. Donc, mes frères et sœurs, vous en connaissez certainement des gens comme ça, ne rentrez pas dans le takfir. Allah jugera. Mais j'ai vraiment peur pour. C'est très grave ce qui se trame. Très très grave. Je vais pas aller les voir un par un, toi t'es kafir, toi t'es pas kafir, non. Dans le cas général, ce sont des mécréants. Cas particulier, wallahu a'lam, mais c'est vraiment très très dangereux. Pire que tous les péchés ruinés, wallah. Pire que il a forniqué, il a fait l'adultère, il n'en sait rien, même il a tué quelqu'un. Quelqu'un qui se moque du din, il est pire que celui qui a tué quelqu'un. Il est pire que celui qui se drogue, même avec de l'héroïne. Celui qui la vend. Celui qui écoute la musique, qui en fait tous les péchés les plus sales. Celui qui fornique avec sa mère et sa grand-mère, même en même temps. Et je fais exprès d'appuyer bien fort pour choquer les gens. Celui qui se moque une seule fois du dîne, il est pire que celui-là. Pourquoi ? Parce que donnez-moi un dalil que fornique avec sa mère, sa grand-mère, sa tante, son grand-père et même son chien fait sortir de l'islam. Et je fais exprès d'être très très cash pour choquer. Par contre, moi je vous dis ici le dalil de celui qui se moque de la religion, il est kafir. Vous comprenez ? Mais encore une fois, les gens ne sont plus choqués par couffre. Les gens ne sont plus choqués par couffre de nos jours. Shirk non plus. Shirk, il est commis, c'est pas grave. Couffre, il est commis, c'est pas grave. Par contre, t'as entendu, le voisin, il a forniqué avec sa mère et sa grand-mère et son chien. Walayyad ou billah, bien sûr, walayyad ou billah. Mais ça y est, ils vont lui faire son takfir. Peut-être qu'ils vont le tuer, on ne sait pas. Ça y est, c'est la fin. Dites-moi où ça fait sortir de l'islam. Dites-moi. Ramenez-moi un dalil, il n'y a pas. Pensez toujours, quittez-moi sunnah, mes frères et sœurs. Ne pensez jamais avec émotion, avec passion, avec sentiment. La passion, ça détruit. Dans tout, dans tout. Il faut penser avec tawhid wa sunnah, kitab wa sunnah. Et on juge, par exemple, cette personne, elle a d'innombrables grands péchés. Car dans la guide, c'est très grave. C'est pas simple. Mais elle reste musulmane. Hein ? À la différence donc, d'une personne qui, j'appuie et je répète, se moque, critique, méprise et sournois, wallahi, diverses choses. Ça, c'est un annulatif de la foi. Même si elle est propre sur elle, elle fait le jeûne, elle prépare des briques, elle fait ce qu'elle veut. Elle invite du monde pour le futur, et mashallah, met un beau qamis pour l'Eid. Elle connaît même, allez, continuons, elle connaît le Coran.
Ah oui, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui connaissent du Coran et qui critiquent et qui se moquent de la Sunna ou d'autres. D'accord? Et pensiez-vous que ces gens-là, hein, et cet homme qui s'est accroché à la bride de la chamelle, ne connaissaient rien de l'islam? Non? Pour que Ibn Omar, plutôt Auf, pour que Auf Ibn Malik, il m'a dit tu mens. D'ailleurs, tu n'es qu'un hypocrite. Hein? Il n'a pas dit tu n'es qu'un polythéiste. Non. Tu n'es qu'un. Qu'un hypocrite, c'est-à-dire qu'il était considéré parmi les musulmans. C'était probablement, Wallahu subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui allait à la mosquée, qui avait le qamis, la barbe. Bon, c'était, la barbe était, enfin, c'était différent, parce que chez les Arabes, tout le monde avait la barbe, même les polythéistes. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais c'était quelqu'un qui était, hein, la barbe, c'est quelque chose de, c'était, ils les avaient tous, c'était traditionnel chez les Arabes, à la base. Non. Même les femmes arabes avaient plus de pudeur que certaines musulmanes aujourd'hui, Wallahu al-Musta'an. Donc ça, il y a des choses qui sont un trait, à la tradition arabe. Donc il faut pas tout mélanger non plus. Mais c'était des gens probablement qui pratiquaient nécessairement le dîn. Et peut-être qu'ils connaissaient du Coran. D'accord? Donc on ne se laisse pas tromper. Nous on regarde. Est-ce que la personne, ou moi-même, hein, je commets un annulatif ou simplement un péché. Ok? Donc c'est vraiment très très grave. Et pour plus de détails, même s'il y a des choses qui se sont répétées ici, revenez, Inch'Allah, à l'audio que j'avais fait, le statut de celui qui se moque de la religion. Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi, après avoir cru. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru, plutôt. Les points à retenir. Le point le plus important, c'est que quiconque tourne en dérision une de ces choses, Allah, le Coran, le prophète, la Sunna, est un mécréant. Le premier point à l'explication du verset concernant une personne se rendant coupable de tels propos, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Non. Troisièmement, on voit la différence entre le colportage, non, la namima, et le conseil, nasiha, pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le colportage et le conseil. Là, ici, Ibn Omar, il est parti dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une chose. Est-ce que c'est namima? Est-ce que c'est colportage? Non. Non. C'était très grave. Donc, il est parti rapporter une chose grave. C'était pas pour dévoiler le péché de son frère, il l'a vu comme ça, en train de faire ceci ou cela. Non, on doit cacher les péchés des frères et sœurs, et on doit aussi, naam, exhorter et conseiller, naam, et puis être bienveillant, hein, à chaque chose à sa place. D'accord? On doit expliquer aux gens, et on va pas comme ça aller colporter des choses, médire, diffamer, calomnier. Non, on se calme. Et tout à sa juste mesure. Mais il y a une différence, et c'est très bien que c'est écrit en plus. Quatrièmement, il y a une différence entre la mansuétude qu'Allah aime, c'est-à-dire envers les croyants qui ont certaines erreurs, certaines fautes. Il faut du temps, de la patience, il faut expliquer. Donc cette mansuétude-là, Allah l'aime, et il faut aussi de la dureté. Et Allah l'aime aussi envers les ennemis d'Allah. Or, quiconque se moque de la religion, quiconque méprise un point de religion, il est mon ennemi. Et c'est un ennemi d'Allah, et je le prends pour ennemi. Lui, je le dénonce, je l'humilie, je l'affaiblis, je lui rentre dedans, comme on dit. Non? Vous comprenez? Ça, il y a une grande différence. Les gens ne comprennent pas toujours. Ah. Il dirait, non, oui. Il blasphème, mais cache son péché. N'a rien à cacher, là. Il a affiché son hypocrisie. N'a rien à cacher ici. Et ce n'est pas de la médisance aussi, on le voit. Ibn Omar est parti le dire que d'aller le rapporter à quelqu'un, exposer son cas. Non? Prévenir les gens que c'est un hypocrite. Et justement, médire sur lui. Dire, mais quel hypocrite! Mais quel malfaiteur! Comment a-t-il pu dire ça? Je le déteste pour Allah! C'est pas de la médisance, ça! C'est de la jalousie pour la religion! Bien sûr, après, on va pas s'y attarder pendant 45 jours et 45 nuits à parler de lui et de lui et de lui. Hein? Mais clarifier le cas d'un hypocrite comme ça, et d'un blasphémateur, et d'un moqueur de dîn, il n'y a pas de mal. On le voit ici! Ibn Omar, il l'a qualifié d'hypocrite! Et il a été rapporté ça au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam! Hein? Comprenez donc la différence entre le conseil, la dénonciation aussi, et puis le colportage pour diverses choses, d'accord? Entre donc cette différence entre mansuétude et dureté nécessaire. Cinquièmement, certaines excuses sont inacceptables. D'accord? Certaines excuses sont inacceptables. Excuse-moi, je t'ai frappé. Excuse-moi, je t'ai volé. Excuse-moi. J'ai mal parlé, je t'ai dit. Non, mais j'ai mal parlé, je t'ai insulté. Non, j'ai dit frapper.
frappé, volé. Hein. Je t'ai frappé, excuse-moi. Je t'ai volé, excuse-moi. Je t'ai mal parlé, excuse-moi. Je me suis mal comporté, excuse-moi. D'accord. Mais là, non. Non, non. Ça, ce sont des excuses qui ne sont pas acceptables. Là, ça nécessite une rentrée en islam. Un taouba, une rentrée en islam. Parce que l'homme, si le prophète lui avait dit « Na'am, ok, taïb », il serait resté sur cet état-là. Il ne l'a pas regardé, pourquoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il ira en enfer éternellement ? Wallahu alam, s'il s'est repenti, non. Mais là, ça nécessite un repentir, un retour vers l'islam. Et l'attitude du prophète, alayhi salam, était juste et justifiée. C'était pour bien lui signifier que là, non, là, il a dépassé les bornes, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça que si vous connaissez des hommes ou des femmes qui sont là-dedans, il faut les boycotter. Bien sûr, il faut les exhorter, il faut leur dire ce que tu fais, c'est couf. Et à partir du moment, moi, je te passe plus le salam. T'es plus rien pour moi. Pour lui faire comprendre que s'il se rebelle, il s'entête là-dedans, eh ben tant pis pour lui. Et peut-être, Allah fera qu'il va comprendre. Peut-être comprendra-t-il. Il y a des excuses qui ne sont pas acceptables. Et là, on ne doit pas dire, non, il faut de la douceur, il ne faut pas cette dureté. Il a quand même dit, excuse-moi, excuse-moi, tu m'as frappé, oui. Non, excuse-moi pour mon mauvais comportement. Excuse-moi pour beaucoup de choses. Et pas pour ça. Parce que sinon, les gens vont blasphémer toute la journée, ils le font, et en fin de journée, ils disent « Astaghfirullah ». Astaghfirullah. Parfois, je vois même dire « Astaghfirullah », même pas en fin de journée, au moment où ils le font, au moment où ils rigolent. Qu'est-ce que j'avais vu ? C'était à l'époque, hein, à l'époque, des rappeurs qui faisaient des freestyles, comme on dit ça. Et ils rappent. Et il y en avait un, il a sorti un gros blasphème au milieu de son freestyle. Et un qui était à côté de lui, a priori, mais l'air musulman, a dit Astaghfirullah. D'accord, très bien. On ne savait pas qu'on pouvait dire Astaghfirullah au beau milieu d'une musique de rap, et rapper avec quelqu'un qui blasphème, a priori un mécréant, et puis dire Astaghfirullah quand on entend ça. Tout en continuant à remuer la tête sur le freestyle, donc le rap, pour ceux qui ne connaissent pas, un rap improvisé, c'est ça que ça veut dire, plus ou moins improvisé d'ailleurs, mais ce n'est pas le propos, sur le texte de rap de quelqu'un. Tu continues à danser, à t'ambiancer, la tête elle bouge, juste allez, Astaghfirullah, ça passe. Astaghfirullah, c'est pas la clé de sortie. Non, c'est pas ça, un taouba. C'est pour ça que, excuse-moi, Astaghfirullah, ce n'est pas valable. Et ces gens-là, c'est tout ce qu'ils font. Ils vont dire Astaghfirullah, Ya Rabbi, Astaghfirullah, Subhanallah, Astaghfirullah, avec leur tête là, leur tête d'hypocrite. Wallahi, je les déteste pour Allah, ces gens-là. C'est pas il a pleuré. C'est pas il a mis le front au sol. Moi, le jour où je vois quelqu'un, il dit quelque chose comme ça, il se met au front au sol, il pleure, et il dit « Ya Rabbi, astaghfirullah, subhanallah, où j'avais la tête, accepte-moi en islam, ya Rabbi, pardonne-moi, j'étais du nombre des injustes. » Et c'est mon frère, celui-là. Il dit « Subhanallah, il a fait un vrai tauba, vous comprenez ?» Mais les « excuse-moi » par-dessus l'épaule, hein, les « astaghfirullah » par-dessus la tête, je n'en veux pas. Tout comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je n'en veux pas. Certaines excuses sont inacceptables. Et ces gens-là, qu'ils restent dans leur égarement, s'il plaît à Allah, Allah guide et égare qu'il veut. Donc, c'est une dureté nécessaire et un mépris nécessaire envers ces gens-là. Le croyant, oui, il doit être doux. Et attention, le croyant n'est pas toujours doux. Pas toujours. Il y a des choses qui sont révoltantes. Et on doit s'offusquer. On ne peut pas tout laisser passer, d'accord ? Donc, j'espère que j'ai bien marqué le sujet, déjà pour vous en écartiez vous, non, et pour vous faire comprendre qui sont réellement ces gens-là. Des gens, ils se posaient des questions. Ce sont des pervers, ce sont... Même, ce sont des koufars. Cas général. Hein, cas général. Cas particulier, c'est autre chose. C'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable ou pardonnable. Il faut rentrer en islam. Non. Le commentaire du shir, et je termine rapidement, parce qu'il est bientôt 22h. Le commentaire du shir, il dit « At-tawhid, c'est la soumission ». L'obéissance, l'acceptation, la vénération. At-tawhid, donc adorer Allah Azzawajal, c'est se soumettre, c'est obéir, c'est accepter, c'est vénérer. Les choses nobles. Or, se moquer et tourner en dérision une chose où sont mentionnés Allah, le Coran, le prophète, la sunna, les croyants, la religion. D'accord ? Ça s'oppose à la réalité du tawhid et ça l'annule. Il n'y a plus de soumission, il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus d'acceptation, il n'y a plus de vénération. Non, tu as annulé cela en faisant ça. Car cela contredit la vénération. C'est la raison pour laquelle ces agissements sont considérés comme une mécréance majeure en Allah si le critère distinctif est pris en compte. Non. Ce critère consiste en ce que la moquerie, qui est le dénigrement, l'amusement et le sarcasme, je vous dis tout à l'heure, parfois ils ont du mépris, parfois c'est de la haine,
dénigrement, amusement, sarcasme, plusieurs choses. Il faut que ça concerne Allah, le prophète ou le Coran. D'accord ? C'est important, je l'avais dit l'autre jour, de bien distinguer ceux qui se moquent d'une personne en particulier. Par exemple, il va se moquer de moi. Moi, parce qu'il ne m'aime pas. Moi, parce qu'il ne m'aime pas, c'est une perversité. Il se moque de moi. D'accord ? Mais s'il vise la barbe, c'est la barbe qu'a légiféré Allah Azzawajal. Est-ce que vous voyez la différence, en fait ? Est-ce que vous voyez la différence ? Entre m'attaquer moi, me dénigrer moi, avoir un certain sarcasme en parlant de ma personne, c'est pas bien. Mais on ne peut pas dire que ça fait sortir de l'islam. Il faut qu'il y ait des investigations. Et le chir le dit après. C'est pour que ce soit l'islam qui soit désigné. D'accord ? Hein ? Donc c'est une mécréance majeure si le critère distinctif est pris en compte. Ce critère consiste, je répète, en ce que la moquerie concerne directement Allah, directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la sunna, et c'est une révélation, ou le Coran. Hein ? N'est donc pas inclus le fait de se moquer globalement des religions, entre guillemets, de la religion, car ceci nécessite plus d'investigation. Qu'est-ce qu'elle vise, cette personne-là ? Qu'est-ce qu'elle réellement elle vise ? Est-ce que c'est l'islam qui est désigné ? Si l'islam est désigné directement, la personne est mécréante. Si par contre, cette égarée insulte, maudit ou se moque de la religion d'une personne sans faire référence du tout à l'islam, c'est-à-dire qu'elle ne va pas viser, par exemple, elle va dire les religions. Mais elle n'a pas désigné le qamis, la barbe, le voile, elle n'a pas désigné l'islam. Hein ? Ou alors, elle s'est prise de haine pour une personne en particulier. Et je ne l'aime pas, donc je vais le critiquer pour lui, pour sa personne. C'est de la perversité. Faites bien la différence. D'accord ? Donc s'il n'y a pas de référence faite, et si ce n'est pas visé directement sur l'islam en particulier, la religion islamique en particulier, que ce soit prophète, Coran, Allah Azzawajal, Sunna, alors cette moquerie ne fait pas partie des trois cas cités précédemment. Quant au verset, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté après avoir cru. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ce verset est un texte explicite concernant le fait qu'une personne qui se moque d'Allah, du prophète ou des signes d'Allah, je parle des signes, j'ai déjà vu des gens, je vous dis, qui pour amuser la galerie sur internet, faisaient des blagues avec le paradis et l'enfer. Là, on ne peut pas dire qu'ils me visent moi. Ils visent clairement une chose, une création d'Allah, quelque chose qui est en rapport avec la religion. On ne peut pas dire qu'il veut me viser moi, il veut... Enfin, non. Tu rigoles du paradis et de l'enfer. Là, c'est clair. Là, c'est clair que c'est du kufr. Non. Donc, ce verset n'arabe est un texte explicite concernant le fait qu'une personne qui se moque d'Allah, du prophète ou des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les versets, les signes religieux d'Allah qui sont désignés ici, c'est-à-dire aussi le Coran, cette personne-là est mécréante, et que ses excuses indiquant qu'elle ne faisait que s'amuser et jouer ne lui seront d'aucun secours, et qu'elle est bel et bien mécréante. Ce verset a été révélé au sujet des hypocrites. Quant aux adeptes du Tawhid, jamais aucune forme de moquerie ne transparaît de leurs propos. Allahu Akbar, qu'est-ce que je disais ? Il n'y a pas, c'est pas possible. Il n'y a pas un adepte du Tawhid réel, un croyant sincère, qui peut avoir même certains manquements, erreurs, fautes, c'est vrai, qui va pouvoir se moquer, dénigrer, mépriser une seule chose du dit. C'est pas possible. C'est impossible. C'est juste complètement impossible. Il insultera sa mère avant d'insulter une chose du dit. Ça ne veut pas dire qu'il va insulter sa mère. C'est une expression pour dire que si ça devait arriver, un tel égarement, Allah, il irait s'en prendre à ses parents avant d'insulter l'islam. Hein ? À la différence des hypocrites, qui la famille c'est important, l'honneur c'est important, mais la religion, on se moque de tout. On se moque de tout, on méprise tout. D'accord ? Et faites bien la distinction entre viser une personne en particulier, qui est de la perversité, c'est-à-dire que celui qui fait ça, juste un pervers, ce qui est grave, ou viser des choses très très globales. Normalement, on ne sait pas trop ce qu'il vise, et là, ça nécessite des investigations. Est-ce que tu vises la religion islamique ? Est-ce que tu... D'accord ? Il ne faut pas s'affoler. Quant à celui qui, clairement, il vise l'islam, il vise la pratique des croyants, et il vise Allah, le prophète, Coran, Sunna, celui-là, globalement, c'est un mécréant. Ok ? Voilà pour le chapitre 2 ce soir. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vais les prendre maintenant et demain vers 16h. Attendez, vers 16h, c'est parfait. C'est parfait. Peut-être même. Attendez, je me base par rapport à l'horaire. 15h. Peut-être même 15h45. Disons 15h45, Inch'Allah. 15h45. Inch'Allah, 15h45. Non. Comme ça, 15h45. On fait Inch'Allah court jusqu'à 16h45, 16h50. Et Inch'Allah, après, comme ça, c'est le Maghreb ici vers 17h10. Donc, comme ça, j'ai le temps. J'ai le temps d'aller Inch'Allah à la mosquée. Donc, c'est ça. 15h45, je commencerai le cours sur le chapitre 48. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que faire des péchés majeurs ou mineurs peuvent être les causes menant à dévier de la religion ou apostasie? Non. C'est qu'on dit à la Azogel, et même qalib al qulub tathbit qalbi ala dinik, ou toi qui retournes le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Or, en péchant, faire des péchés majeurs ou même mineurs, non, sans demander pardon à la Azogel, en s'enracinant là-dedans, c'est peut-être une cause de déviation du cœur. Le cœur peut être pris d'une passion, s'attache à un égarement, il n'est pas à l'abri de dévier. Il n'est pas à l'abri de dévier. Ou d'apostasie, personne n'est à l'abri. On demande à la Azoulette de nous raffermir, on fait les bonnes œuvres, Inch'Allah, et puis on se repent des fautes. C'est très important et c'est très essentiel. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment acquérir de l'éloquence dans le prêche afin d'être mieux compris et convaincant? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ça se travaille. C'est aussi inné. Il y a des gens en arme depuis petit, hein, je parle depuis la primaire, qui ont toujours su prendre la parole en public. D'autres moins. Et puis sinon, ça se travaille. Il faut s'entraîner. Oh, allez, je ne saurais pas quoi réellement répondre à ça, très sincèrement. Il y a des gens qui aiment parler, d'autres qui n'aiment pas parler aussi. Donc c'est assez délicat. Si tu n'as pas cette éloquence, si tu n'aimes pas parler en public à quelque chose, tu peux écrire, Inch'Allah, tu peux écrire. Me transmettre des choses de gens. Tu auras aussi prêché, d'une certaine manière, tu auras aussi transmis le prêche. Transmets des audios, transmets des écrits, ou écris toi-même, si tu n'es pas capable de prendre la parole. Les gens, voilà, ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. Non, Allah, allez. Allah nous aide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On voit beaucoup une expression en France pour dire qu'on aime quelque chose. Les gens disent, j'adore ci, j'adore ça. Est-ce que cela est du shirk? Alors, c'est pas les meilleures expressions. Non, ce n'est pas des meilleures expressions. Le mieux, c'est d'éviter cela. Le mieux, c'est d'éviter toute expression tendancieuse. Mais non, ce n'est pas du shirk en soi. Parce que, en disant cela, on n'a absolument pas visé, j'adore l'escalope de dinde. Je ne me prosterne pas devant une dinde. Vous comprenez? J'adore ce pantalon. Je ne vous pas un culte à ce pantalon. Mais ce sont des expressions, si possible, à éviter. Mais ça rentre dans le langage. Non, c'est pas... Ce n'est pas un shirk, non, ce n'est pas un shirk, et ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ça rentre plus dans le langage, même s'il faut mieux faire attention à ce qu'on dit, à soigner son langage. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Salam alaikum. Toi, tu as parlé des personnes qui se moquent du dîn par rigolade. Oui, rigolade ou d'autres types. Mais quel est le jugement pour une personne qui dit ce genre de propos, mais sous l'effet de la colère? La colère, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il faut voir quel type de colère elle a. Quel type de colère elle a. Il y a des gens d'un âme sous l'effet d'une vraie colère, ils sont comme possédés et allés, et ils vont dire des paroles de couple. Ils vont dire des paroles de couple. Donc ces gens-là, c'est souvent de l'ignorance, et tout de suite après, ils regrettent. Tout de suite après, ils regrettent. Après, il faut voir si c'est juste une personne qui, dès qu'elle est un peu stressée, l'âme, dès qu'elle est un peu. Bougon, stressé, grognon, l'âme, et toute la journée elle blasphème et elle dit des propos comme ça, ça ne va plus à la fin. Ça ne va plus. Mais une personne qui réellement aurait été entrée dans une colère monstre, l'âme, comme possédée, je vous dis, elle est excusée. Et demandez-lui juste après sa colère si elle se souvient même de ses propos. Est-ce qu'elle s'en souvient? Ou est-ce qu'elle se souvient de la gravité? Elle va dire Astaghfirullah, Subhanallah, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est autre chose. Tu comprends, Ahmed?
entre une vraie colère, subhanallah, et tous les jours, il est en colère. Genre. En fait, c'est son caractère. Non, au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, stop. La personne, si c'est soi-disant la colère, son état naturel, ben, elle sortira d'islam. Parce qu'en vérité, elle n'est pas en colère. Elle dit ce qu'elle a au final dans le cœur. Mais quelqu'un qui est réellement en colère, c'est pas vraiment l'état de son cœur. C'est moment de folie. Moment de folie. Alors, on pense du bien d'elle et on pense du bien d'Allah et on pense qu'Allah lui pardonnera cela. Si bien sûr, il y a aussi un tawbah sincère. Dire astaghfirullah, ya Allah. Moi, je regrette. Je regrette ce que j'ai pu dire, même si je n'étais pas en pleine possession des moyens, la personne, elle n'en prend pas une habitude. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam seront testés le jour de la résurrection. Effectivement. Effectivement. Une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam sera testée yawm al-qiyama. Effectivement. Avec un test. Allahu a'lam. Comment ? Mais un test. Émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas accès à l'islam, pas compris le message. Mais du coup, cette personne a fait du shirk. Il ne sait pas pourtant. Lorsqu'il commet un meurtre, il sait que ce n'est pas bien, mais au final, il ne juge pas que la charia, quel est son jugement. Première partie de la question, j'ai compris. Les gens qui n'ont pas entendu parler de l'islam, comment pourraient-ils être jetés au feu, puisque la preuve n'a pas été établie sur eux. Donc je te dis qu'ils seront testés. Parmi d'autres catégories de gens testés, les enfants, les handicapés aussi, puis les personnes très 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 vieilles aussi. Mais du coup, si cette personne a fait du shirk, il ne sait pas pourtant. Il ne sait pas que c'est shirk, non. Et lorsqu'il commet un meurtre, il sait que c'est pas bien. Parce que quand il commet un meurtre, c'est connu dans les lois et dans les mœurs que ce n'est pas bien. Vous comprenez ? Dans les lois autour de lui, et quasiment, je crois si ce n'est dans les gangs, mais sinon, universellement parlant, le meurtre, c'est pas bien. C'est connu chez tous les êtres humains. Donc tout le monde sait que c'est pas bien, et puis c'est connu dans les lois et dans les mœurs. Donc il ne juge pas avec la charia, puisqu'il ne connaît pas l'islam. Donc faire kufr, faire shirk, faire bida, même faire péché, globalement, ça lui parle pas, puisqu'il ne connaît pas. Mais il a une petite part de fitra et de miséricorde qui lui fait dire que le meurtre, ce n'est pas bien. D'accord ? Ou l'inceste, ce n'est pas bien. Quoique dans certaines cultures, il n'y a pas de mal. Voilà, vous comprenez ? Mais il y a des choses comme ça qui sont propres à peu près tous les êtres humains. On sait que ça, c'est mal, ça, c'est mal, ça, c'est mal. C'est les codes moraux. Tu comprends ? Mais il peut pas juger avec la charia. Il ne peut pas juger avec la charia. Donc, quel est son jugement, le manquement ? S'il a eu connaissance de l'islam, il ne s'y est pas intéressé ou il l'a renié, c'est l'enfer. Et s'il n'a pas eu connaissance de l'islam, comment il aurait eu connaissance de la charia ? Comment il a connaissance de la charia ? Évidemment qu'il va tomber dans du shirk ou dans du kufr. C'est évident. Il n'a pas connaissance de l'islam. Donc, il ne sait pas. Il a juste quelques valeurs à lui. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans la forêt, en Amazonie. Il n'a jamais entendu parler de l'islam, par exemple. Jamais. Jamais. Mais par instinct, il sait que, voilà, on ne fait pas du mal à un autre être humain. Par instinct. Non. Je n'ai pas exactement, peut-être très bien compris ta question. Je vais reprendre la parole. Et rapidement, après j'y vais. Et aussi, Allah AS. Ça aussi, je dis SWS. SWT AS. Tout ça, il faut arrêter. Voilà. Soit tu écris Allah, soit tu écris le prophète, et puis tu le dis au moment où tu l'écris, tu dis Subhanahu wa ta'ala. Non. Et on n'écrit pas SWT. C'est pas Subhanahu wa ta'ala. Non. Il n'y a pas de AS, il n'y a pas de SWT, il n'y a pas de SWS. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est haram. Voilà. Ça, on ne fait pas ça. Soit tu l'écris Subhanahu wa ta'ala, soit tu écris Azza wa Jal. Soit tu écris Ta'ala, soit tu écris Tabaraka wa Ta'ala, tu fais ce que tu veux ou tu n'écris rien. Mieux, tu n'écris rien et tu le dis seulement. Pareil pour Sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis de ne rien écrire ou de l'écrire en entier, mais pas des abréviations. Non. Donc, mais ça c'est très répandu, très 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 répandu. Allah est-il plus indulgent et patient envers quelqu'un qui, par exemple, a grandi dans une famille de serial killer
et qui a commis un meurtre face à quelqu'un qui a commis le même péché mais a grandi dans une famille pieuse. Wallahu a'lam. Il pose des questions, savoir comment va juger Allah telle et telle personne. Et je me demande surtout à quoi ça va te servir dans ta foi. C'est-à-dire comment Allah va juger un tel. Est-ce que celui qui aura grandi dans une famille de serial killer, donc il aura été influencé, est-ce que le jugement va être plus dur sur lui que quelqu'un qui a grandi dans une famille pieuse? Lévi, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Ce que tu dois apprendre, c'est le tawhid et la sunna, et savoir comment Allah il va juger toi. Prépare-toi à savoir est-ce que le meurtrier, comment il va être jugé, est-ce qu'il a été influencé ou pas. C'est pas ton affaire. Allah est le plus juste, c'est tout ce que tu dois retenir. Allah est le plus miséricordieux, c'est tout ce que tu dois te retenir de cette affaire. Allah, il jugera, et il jugera très bien. Et personne ne sera lésé. Donc, n'aie pas peur. Chacun, celui qui a connu l'islam, qui n'a pas connu l'islam, qui l'a connu un peu, qui l'a connu beaucoup, qui a beaucoup pratiqué, peu, il a été influencé par des mauvaises personnes, il était plutôt influencé par des pieux, il a fait ci, il a fait ça. Chacun aura son jugement. Et ce sera avec minutie et grande justice, puisque ce sera Allah, subhanahu wa ta'ala, qui jugera à ce moment-là. Donc, ce sont des questions inutiles en soi pour ta personne, et d'autant plus que nous savons que ce sera le juge des juges, le plus grand juste, qui jugera. Donc on n'a pas à s'inquiéter et à se soucier de ce genre de détails. Et voilà. On dit Wallahu a'lam, ce qu'il y aura Yom Qiyamah pour un tel, et Allah ne laissera personne. Voilà. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanallah humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa arqallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.